playing much better today, and especially the first 15-16 minutes we were playing very good especially in defense, and Titi was very good in the goal. So I think it was almost done, the half of the work, the first 15-20 minutes. So after that we were playing not so good, but it was okay today. On peut encore un peu plus progresser parce que on a encore, je trouve, laissé quelques ballons sur la fin. Mais voilà, dans l'ensemble, on est très content de notre match. On voulait mettre une grosse intensité d'entrée parce qu'on savait que c'est une équipe jeune qui joue à fond tous les coups et que s'ils prennent confiance, ça peut être difficile. Du coup, voilà, on voulait faire une grosse entame, c'est ce qu'on a fait, on est satisfait là. On fait une très bonne première mi-temps encore ce soir. Maintenant, on ne garde pas la concentration jusqu'à la fin du match et on savait que contre cette équipe, même si on était largement devant au score, ils allaient continuer à courir, continuer à jouer. Et nous, c'est dommage, on s'est un peu arrêté de jouer à la fin, donc ça... C'est un peu mitigé maintenant, voilà, on a gagné, c'est le principal. Il fallait qu'on finisse bien la saison en Ligue des Champions cette année avant d'attaquer la deuxième phase. It's okay, and I'm thinking especially about the two games against Kiel. Was very good job from PSG, and with that two games, especially these two games, we can be satisfied, and we are still in a good level, so we still have the chance to be number one, but it's still some hard games for us. But I think we can summarize it that it's okay what we have done this year. Je pense qu'on peut être satisfait d'être première partie en Ligue des Champions. Là, on a terminé sur une bonne note. Je pense surtout qu'on est satisfait de notre niveau de jeu qui a progressé par rapport au premier match de championnat où on se cherchait et c'est normal. Et voilà, je pense qu'on a bien progressé tout au long de cette première partie de saison et on finit bien, donc c'est cool. Là, je crois qu'on a perdu à Kiel, donc c'est une première place provisoire, on le sait. Hein. Il reste encore beaucoup de matchs. Nous, on a perdu à Flensburg et à Veszprém. On est allé gagner à Kiel. Voilà, on a gagné Veszprém à la maison, donc on a fait des super matchs et maintenant on a... Les gros matchs à domicile, on va dire qu'à part Kiel, on n'a pas réussi à garder le niveau de jeu qu'on a l'habitude d'avoir à domicile. Donc il faut retravailler sur ça et rester concentré et voilà, aborder la deuxième phase comme il faut pour atteindre l'objectif. I have heard something about them, and I think it will be a very physical game. And but now we have to take a little bit rest tomorrow, and then we will do our best to win and on in the week. C'est clair que ça va être un gros match. On a vu ces dernières années que Nantes c'était une équipe qui nous posait énormément de soucis. Du coup, voilà, on est maintenant averti et on sait que ça va être très difficile, un match accroché avec un très gros public là-bas. Donc voilà, on va essayer de récupérer d'abord parce que ça a été quand même un gros match ce soir de Ligue des Champions. Et puis essayer de voir où on peut les embêter au maximum et faire un gros match jeudi, quoi. On a fait une première partie de championnat quasiment sans faute. On a juste perdu à Montpellier. Il faut qu'on continue dans cette optique et qu'on essaie d'aller décrocher la victoire à Nantes. On va bien travailler tactiquement et il faut qu'on récupère et... Et voilà, et qu'on y aille, quoi. Il reste une semaine, 10 jours même pas à bosser, on va y aller à fond et il n'y a plus à compter maintenant. Même si on est mort, il faut qu'on y aille à fond.